cette saison se termine bientôt avec le Grand Prix final, avant deux petits objectifs que j'ai, qui est l'Open de Paris et l'Open du Maroc. Alors la saison prochaine, je pense que si je qualifie la KT, d'abord je vais prendre un repos, parce que j'en ai besoin. Et puis après, je pense qu'on va préparer les Jeux Olympiques à partir de début février, je pense. On aura certaines compètes avant et puis un objectif intermédiaire avec les championnats d'Europe 2016, où bien sûr, il faudra aller ramener le titre. Ben, j'ai une partie de moi qui est sereine et j'ai une partie de moi qui est moins sereine, mais qui a un peu des doutes, on va dire, puisque les filles qui sont derrière moi sont aussi fortes. Moi, je prendrai, après pour me qualifier, je prendrai la brésilienne. Donc, c'est un combat que je peux gagner. Maintenant, pour les Jeux, je rêve des Jeux. Après, ce n'est pas un rêve, c'est un objectif à atteindre dans une vie, dans une carrière de sportif de haut niveau. Parce que tout sportif de haut niveau rêve et veut faire les Jeux. Et pas pour y figurer, bien sûr, pour y ramener une médaille d'or. Parce que c'est la concrétisation de tous les efforts, de tous les sacrifices. Et puis. De continuer sur cette note-là ou puis d'arrêter une carrière. Je me projette bien sûr sur 2024 parce que c'est les Jeux, voilà. Et à Paris, ça serait super pour la France, super pour Paris, super pour nous les Français. Et d'être à domicile, c'est ce qu'on rêve et ce qu'on souhaite.